Bonjour. À Paris en ce moment, c'est la Fashion Week, la semaine de la mode. Alors, je ne sais pas si c'est du prêt-à-porter. Il me semble que c'est le prêt-à-porter, par la haute couture. Et alors, du coup, pour fêter ça, j'avais envie de me faire un beau cadeau. Je voulais aussi mon petit prêt-à-porter à moi. Enfin, je voulais surtout un facile à porter. Donc, du coup, je me suis offert un Spyderco. Mais pas n'importe lequel. Je voulais un modèle léger, facile à transporter, un EDC idéal. Donc j'ai opté pour le Paramilitary 3, modèle light white. Alors, le Para 3 light white, en fait, a exactement les mêmes, quasiment les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, le Paramilitary 3. Il a les mêmes dimensions. Par contre, il n'est pas fait dans les mêmes matières. Sa lame est dans un acier différent et le manche est en FRN alors que le Para 3 normal est en G10. C'est pour ça que c'est le modèle light white, c'est qu'il fait carrément, je ne sais plus combien, 30 ou 40 grammes de moins que l'autre. Il est carrément super léger, il fait 70 grammes. Je le pèserai tout à l'heure. Son grand frère, en général, est dans des aciers supérieurs, c'est-à-dire du S35VN ou CPM S30V, je ne sais plus trop exactement. Je sais que Spyderco décline ce modèle-là dans différents types d'aciers. Celui-ci, c'est du CTS BD1N. C'est une évolution du CTS BD1. Alors voilà, pour ceux qui s'y connaissent en métallurgie, vous saurez à quoi ça correspond. Moi, je ne saurais pas trop vous dire. Je pourrais vous mettre les caractéristiques exactes dans la vidéo. A priori, il s'agirait d'un acier semi-inox, plutôt de bonne qualité, avec une bonne rétention. Je l'ai utilisé assez intensivement pendant 2 jours, là, pour voir un peu si ça tenait bien le tranchant, et ça a quasiment pas bougé. Je suis très très satisfait de cette lame. De toute façon, c'est un EDC. Donc, a priori, un EDC, c'est pas un couteau avec lequel on part pendant 2 semaines en forêt. C'est un couteau qu'on peut réaffûter chaque jour quand on rentre chez soi. L'avantage surtout de ce couteau-là, c'est son volume, sa taille et puis sa grande fluidité de mécanisme. Et puis, ce qui m'a plu beaucoup, à moi surtout, c'est son clip. Voilà, c'est ça qui m'a décidé. Quand je l'ai comparé avec l'autre, avec le modèle G10, les modèles G10 ont tous un gros clip qui porte assez bas d'ailleurs. Quand on le met dans la poche, on a le couteau qui dépasse quand même beaucoup. Celui-ci, quand vous le regardez, il a quand même l'avantage d'avoir un clip qui monte assez haut. Il est très fin. Très léger, assez souple et il se glisse parfaitement bien dans la poche. Vais tout de suite vous en faire la démonstration. Voilà. Vous verrez la différence. Voilà. Quand il est glissé dans la poche, comme vous pouvez voir, le couteau il dépasse quasiment pas de la poche et ça c'est carrément bien. Puis vraiment. Faut le deviner, il n'y a rien de marqué, il n'y a pas marqué Spyderco, etc., etc., quoi. Si par exemple je vous le mets avec le col steel à côté, voilà, vous voyez la différence? C'est quand même énorme. Voilà, pour moi, ça, c'est un véritable décès. C'est fait pour ça, c'est fait pour disparaître comme ça dans la poche. Et puis. Voilà, c'est fluide, ça fonctionne. Et vous le remettez facilement dans la poche. Les autres de chez Spyderco, le modèle en G10, ils ont des gros clips comme ça qui descendent assez bas. Et je suis pas fan, moi. Je trouve pas ça très pratique. Pour moi, celui-ci, c'est vraiment, vraiment le DC idéal. Je peux vous montrer avec le délicat la différence. Ouais, hein. On voit bien quand même. Bah, les autres, les nouveaux. Bon, celui-ci, il a 30 ans quand même. D'accord, mais les nouveaux, ils ont, mis à part qu'ils ont un clip métallique, mais autrement, le clip, il monte pas aussi haut que celui-ci.
Je trouve ça plutôt intelligent et voilà, c'est très malin de leur part parce que ils ont refait la même chose que le modèle G10, mais en beaucoup plus léger, en beaucoup plus portable et en beaucoup plus accessible financièrement aussi, parce qu'il est quand même à, ouais, 30 euros de moins. C'est assez rigolo parce que il fait, je crois, 30 grammes de moins que son grand frère et il fait 30 euros de moins sur pratiquement tous les sites internet. Donc ça fait quasiment 1 euro le gramme. Je vais vous faire tout de suite une comparaison de taille avec, avec le Delica, qui est quand même nettement plus petit. Avec le Cold Steel, le Tough Light, pas du tout la même forme, pas du tout la même quand même, mais il a une lame un peu plus longue, un tranchant un peu plus long, et puis avec le Endura, qui est beaucoup trop grand pour un EDC, je trouve. Celui-ci est parfait. Celui-ci est parfait et peut-être un petit centimètre de plus en longueur de lame, ça m'aurait pas déplu. Parce que j'ai fait quelques tests de coupe en cuisine. Hier, avant-hier, j'ai fait ma bouffe avec. J'ai testé sur pas mal de trucs, viande, charcuterie, légumes, etc., etc. On est un petit peu limité par la longueur de lame. Je trouve qu'un tranchant de 1 cm de plus, ça ne m'aurait pas déplu. Par contre, au niveau de la prise en main, c'est carrément génial. C'est vraiment bien. C'est même plus confortable que le modèle G10. Et d'ailleurs, beaucoup des essayeurs de ce couteau, beaucoup de ceux qui ont testé ce couteau le disent, ces plaquettes en FRN, là, elles sont bien mieux contournées, bien plus agréables à tenir en main que le modèle G10 qui est trop carré et pas très très agréable. Bon, mais par contre, le modèle G10, voilà, l'impression que vous avez, c'est que le couteau est incassable, quoi. Celui-ci, il donne pas cette impression-là parce que c'est le FRN, quoi. Ça sonne un petit peu creux, c'est ajouré. Par contre, il est super rigide, hein. Vous pouvez appuyer dessus comme un malade, hein. Vous arrivez difficilement à le faire plier, vraiment, hein. Et là, je presse très très fort. Il a pas de, comment dire, il a pas de liner métallique à l'intérieur. C'est directement le FRN. La seule partie métallique, c'est pour le mécanisme, le compression lock, là, ici. Ce qui lui fait gagner beaucoup de poids. Mais franchement, quand vous l'avez en main, c'est la première impression qu'on a quand on a Spyderco de ce prix-là. Je suis désolé. Il faut le dire, de ce prix-là, quand vous avez ça entre les mains, la première impression que vous avez, c'est putain, c'est solide quand même. C'est solide, c'est super bien fini. Le métal est parfaitement bien usiné, il y a pas de bavure, il n'y a rien, c'est ajusté super bien. Franchement, ça paraît cher quand même. C'est vrai que, pardon, quand vous achetez un couteau avec un manche en FRN comme ça, c'est de la fibre de verre, enfin c'est du plastique renforcé avec de la fibre de verre. Un grand classique chez eux, ça fait 30 ans qu'ils déclinent ce type de matériaux là. Maintenant, quand on vous dit manche plastique, acier, pas très haut de gamme, ça coûte 120 euros, bah, vous vous dites, ouais, on va passer à autre chose, quoi, hein. Et puis en fait, une fois que vous l'avez en main, c'est un peu ce que je me disais. Je me disais, merde, 120 balles pour un couteau comme ça. Franchement, peut-être mieux mettre 30 euros de plus pour avoir le modèle G10. Le problème, c'est que le G10, je l'ai eu dans les mains, je l'ai tripoté dans tous les sens, je l'ai porté, je l'ai mis dans mes poches, etc., etc. Il est lourd. Voilà. L'impression que ça fait, c'est qu'il est lourd, il est mastoc, il est lourd et le clip est trop gros, quoi. Voilà. Celui-ci, vous avez vu, quand on l'a dans la poche, il disparaît complètement.
Et ça, pour moi, c'est le DC idéal, vraiment, vraiment idéal. Maintenant, croyez-moi sur parole, c'est du tranchant rasoir en sortie de boîte. D'ailleurs, je vous le prouve tout de suite, hein, c'est simple. Voilà. Je l'ai utilisé, hein, j'ai fait pas mal de. J'ai fait. Regardez ça. C'est. Ouf. Tranchant rasoir, sortie de boîte. Et même après l'avoir utilisé pas mal de temps, là, parce que ça fait quand même 2 jours que je l'ai, eh ben, j'ai pas touché au tranchant. Ça coupe, mais. Pff. Là, franchement, l'affûtage Spyderco. Hein? Regardez ça comme c'est fluide. Mais c'est vraiment. Ah, c'est un bonheur, quoi. Petit peu de paracorde. Hop. Regardez ça. Comme si c'était du saucifleur. Voilà, doublé. De papier sur mon catalogue IKEA. La ceinture en cuir. Regardez ça. Ah. Oh là là là. Je crois que c'est même encore mieux que le Cold Steel de la dernière fois, le Tough Light. Regardez les découpes que j'arrive à faire des découpes en zigzag dans le cuir. Vous voyez? Incroyable comme ça coupe. Donc vraiment, je suis impressionné par le tranchant de Spyderco là, c'est l'affûtage. Y a rien à dire, c'est extraordinaire. Maintenant, au niveau de la tenue du tranchant, je peux pas encore me prononcer. Je verrai dans quelques temps. Je ferai un retour sur ce couteau dans quelques mois. Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'en avais envie. Ça faisait longtemps qu'il m'avait tapé dans l'œil celui-là. Depuis sa sortie, d'ailleurs, il n'est pas très vieux, hein, il est assez récent. Et je voulais l'avoir parce que. Pour moi, c'est le DC idéal. C'est vraiment, c'est un couteau à porter sans modération. On peut le porter vraiment discrètement, de multiples façons. Il rentre dans n'importe quelle poche. Honnêtement, c'est vraiment un bon EDC. Pour moi, voilà, c'est ce qu'on recherche dans un EDC, c'est-à-dire la légèreté, un encombrement réduit. Une facilité d'utilisation et puis un port extrêmement discret et voilà et très 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 léger quoi. 70 grammes dans la poche vous le sentez pas quoi, ce couteau. Et puis comme je vous dis je l'ai porté de différentes façons à mon travail dans le loisir je l'ai proposé à plusieurs personnes et puis tout le monde l'a essayé et puis voilà, tout le monde est unanime. Ce couteau, c'est un bonheur à trimballer dans la poche, quoi. Vraiment, vraiment un bonheur. Voilà, le FRN de ce manche, il est moins creusé que sur les autres modèles. Ils ont réussi le tour de force à faire des textures très très peu creusées dans les plaquettes parce qu'elles sont assez fines. Mais par contre, le grip est vraiment excellent, quoi. Ça gratte. C'est assez étonnant la façon dont ils ont gravé ces plaquettes. Parce que j'ai comparé avec d'autres modèles. Hein. J'ai comparé, bon,
pas avec cela. Cela, c'est vraiment les tout premiers motifs qu'il y avait sur les plaquettes. Mais j'ai comparé avec les nouveaux, toutes les autres gammes de chez Spyderco. Les textures sont beaucoup plus profondes. Ici, ils les ont à peine creusées, mais le grip est super. Vraiment, ça râpe, quoi. C'est comme si on avait une lime. C'est plutôt bien foutu. Là, franchement, ils ont fait fort à ce niveau-là. Ce couteau coûte dans les 120 € à peu près sur tous les sites. Je trouve que c'est cher pour voilà pour un de toute façon 120 € pour un pliant, moi je trouve ça assez cher. C'est vrai qu'il y en a, il y a pas mal de gens qui mettent 400 500 € dans des pliants. Moi c'est pas mon truc, moi je préfère les lames fixes. Je suis prêt à mettre très cher dans une grosse lame fixe. Un pliant ça me fait chier, quoi. Voilà, je le dis honnêtement, mettre 120 € dans un pliant, bon. Ça va, j'ai la chance. Le site sur lequel je l'ai acheté, je vous mettrai un petit lien dans la description sous la vidéo. Le site sur lequel j'ai acheté m'ont fait un petit prix. Donc je l'ai eu à un petit peu moins de 100 €. Voilà, donc c'est ce qui m'a décidé à l'acheter. Sinon, 120 € je ne sais pas si je les aurais mis, quoi. Ouais. Peut-être que oui. Maintenant que je l'ai en main, je me dis finalement ça les vaut, quoi. Parce que franchement, voilà, ce couteau va devenir mon EDC principal pendant un certain temps, jusqu'au moment où je vais craquer sur autre chose, hein. Tous les amateurs de couteaux savent très bien ce que c'est. On s'équipe, on a un couteau dans la poche pendant un certain temps, ça devient le couteau principal, et puis un jour, boum, on flash sur un autre. Et puis voilà, on a envie de l'avoir. Et puis le problème, c'est que quand on en a beaucoup, chaque matin, on se dit lequel je vais prendre. C'est la merde. Enfin, c'est pas vraiment la merde, mais bon, quand on est un amateur de couteaux, et qu'on en a plusieurs et qu'on commence à en avoir beaucoup, ça devient. C'est un choix cornélien de choisir lequel on va prendre. Quand moi je pars en nature ou quand je pars le matin, qu'est-ce que je vais mettre au fond de ma poche ou quand je pars en nature, quels couteaux je vais prendre pour emmener avec moi. Au moins quand on n'en a que un ou deux, le problème ne se pose pas. Mais quand on en a plusieurs, c'est. Voilà, vous connaissez tous ça, vous êtes tous des passionnés de couteaux, sinon vous ne seriez pas là en train de regarder. Donc vous savez tous que quand on en a plusieurs, voilà. Et puis plus on en a, plus on en veut. C'est vraiment une drogue. Je peux pas qualifier ça autrement, c'est une drogue. Bon, ce sont mes conclusions sur ce couteau. Je suis ravi de l'avoir. Je vais le garder dans la poche un certain temps. Il va me servir à pas mal de choses. Et jusqu'au moment où je vais décider d'en choisir un autre, hein, forcément. Ça se passe toujours comme ça. Mais en l'occurrence, je suis vraiment ravi de l'avoir. C'est un couteau que je considère comme étant un excellent EDC. Il est vraiment fait pour ça. C'est pour ça que Spyderco l'a sorti, hein. Quand ils ont sorti le Paramilitary 3, c'est parce que beaucoup de gens trouvaient le Paramilitary 2 trop grand, trop long, trop lourd, etc., etc. Donc Spyderco a sorti le 3 avec une lame plus petite. Et puis ils viennent de sortir le Lightweight. Qui est pour moi la quintessence de l'EDC. Oh, c'est beau comme formule ça. Je recommence. Qui est pour moi la quintessence de l'EDC. Léger, facile à porter, avec un super clip, un mécanisme super fluide. Et puis, voilà quoi. Allez, je recommence. Léger, facile à porter, avec un. Allez, je recommence. Léger, facile à porter, avec un mécanisme super fluide. Idéal. Allez. Salut à tous. Et puis, n'oubliez pas, restez affûtés. Et puis, faites-vous plaisir avec vos couteaux. Et puis, à bientôt. Et puis, bientôt, une autre vidéo qui va suivre. Ça devrait vous plaire.
Allez, ciao, ciao, au revoir.